coach, vous vous sentez comment après cette défaite? Bonsoir. Bon, je suis des choses, non? Pour une chose, je suis content de comment l'équipe il a répondu. Je crois que la première mi-temps, c'est un match pareil pour les deux. Nous avons fait le premier but. Et quelques moments aussi, la pression n'est pas facile pour nous pour sortir. Mais après le pénalty qu'il a sifflé l'arbitre, je crois que c'est une pénalty très facile pour siffler. Et après le deuxième mi-temps, je crois que la pression était de l'équipe et nous avons surmonté aussi la pression de plus facile que la première mi-temps. Quand je crois que le match il est bien maîtrisé pour nous, avec l'option aussi de marquer. Les deux buts d'une équipe comme Real Madrid, qu'il paie, parce qu'il a aussi un moment dans les matchs qu'il peut faire cette différence. Mais aussi, je n'aimais pas comment il a fait aujourd'hui les matchs d'arbitre. Je crois que toutes les choses, les petites choses, mais qui peut-être sont grandes choses, sont pour eux. Aussi, les pénaltys contre nous. Sergio Ramos, il aussi a touché avec la main un pénalty pour nous. Et les cartons jeunes que nous avons recevés. Et aussi, je crois que l'action de Kimpembe, il peut être aussi faute. C'est pour ça que je crois que un match que je suis content que comme nous avons joué, n'est pas content avec les résultats. Et aussi, je crois que l'arbitre aujourd'hui aussi, il a été près de Real Madrid et près de nous. Il faut marquer au match retour. Dans 3 semaines, il faudra marquer. On a vu que l'équipe ne jouait pas forcément mieux quand vous avez sorti Cavani et fait rentrer Thomas Meunier. Dans ce schéma-là, ça ne marchait pas mieux. D'ailleurs, vous avez encaissé 2 buts. Comment vous donnez la possibilité à vos joueurs de marquer? Il faut marquer. Il n'y a pas eu de réussite ce soir. Bon, c'est vrai. Il manquait 90 minutes. Et je crois en notre équipe et je crois aussi en la possibilité à part qu'on fait pour souffrir à Real Madrid et les 90 minutes qu'il manquait, je crois que c'est important aussi la motivation c'est clair, mais ainsi aussi on va faire la préparation, il a commencé la préparation pour ce match aussi pour les supporter pour faire à part un stade avec une puissance contre Real Madrid et qu'ils sont les numéros 12 pour nous pour aider à surmonter ce résultat. Et c'est pour ça que j'ai la confiance après de ce résultat, j'ai la confiance aussi que nous pouvons faire. Merci beaucoup, coach. Le Paris Saint-Germain sait le faire après avoir perdu 3-1. Donc voilà, la confiance est là. Merci, coach.